Oui. Bonjour à tous! Oh waouh, c'est magnifique, on peut voir un assassinat. En vrai? Le pauvre, il s'est fait jarter. Les mecs, il y a un cadavre devant eux, ils s'en battent les couilles, eux, ils continuent à faire leur petit truc rituel là, je sais pas quoi. Ah, mais non, il n'y a pas de cadavre. Le cadavre, il est disparu. Et bienvenue, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons sur Assassin's Creed 2. Oui, 2. Qu'est-ce que je baragouine, moi? C'est pas Assassin's Creed 2, ça, c'est Assassin's Creed, putain, voilà, j'ai du mal à parler, les gars. Et bon, en tout cas, les gars, je suis très heureux de vous retrouver pour ce let's play. Voilà. Comme d'habitude. Voilà, on est content, hein. Il y a Far Cry 6 qui est sorti, mais non! Nous, les si gars! vous voulez réussir, vous devrez procéder méthodiquement. Ah, rien à foutre. Voilà, nous, ce qu'on veut et ce que je vous armes présente, avant c'est d'activer du votre Assassin's Creed. Voilà, on s'en bat pas les couilles de Far Cry 5. Enfin, non, de Far Cry 6, mon ref. Ce qu'on veut faire, nous, c'est faire effectivement la même chose tout le temps. Voilà, on en est là. Et en tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver pour ce let's play. Voilà. Ok, alors, il faut qu'on aille voler quelque chose à un mec. Bah, let's go, hein. On va faire ça. En tout cas, voilà, les gars, j'espère quand même que ce let's play vous plaît, malgré que... on fait souvent la même chose. Et de ce que j'ai entendu parler du jeu, eh ben écoutez, ça va être ça en fait, ça va être que ça le jeu. Alors je suis un peu déçu, mais écoutez, on s'en bat les couilles, on est là, on kiffe, voilà. On kiffe, voilà, il n'y a pas... intervisible, voilà, je sais même pas dire le mot. Qui sait ce qu'ils auraient fait, hein? Ouais. Bah let's go. Bon! Du coup, on va aller voler ce qu'on... Enfin, ce qu'on doit aller chourave, quoi. Parce que voilà, attends, oh. Il faut qu'on se dépêche de faire la mission pour qu'on puisse après faire un autre assassinat. Puis ainsi de suite. Bon, je vous avoue que c'est un peu... C'est un peu redondant, mais je vais essayer de faire le plus rapidement possible les petites quêtes de merde, hein. Parce que bon, en soi, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de refaire ça? Nous, ce qu'on veut, c'est faire des assassinats. Blé! Si les gardes ne font rien, il est de notre devoir d'agir. Ta proposition est insensée. C'est la seule solution. Combien de personnes devra-t-il enlever avant que le peuple ne réagisse? Nous ne sommes pas concernés. Pas encore. Mais si nous ne faisons rien, nous ne tarderons pas à l'être. Et qu'est-ce que tu suggères? Je l'ai bien observé. Je sais exactement comment il organise son trafic. J'ai tout indiqué sur une carte. Tous les jours, à la même heure, il inspecte ses marchandises. C'est à ce moment-là que je compte agir. S'il te repère, ce n'est pas un morceau de papier qui va te sauver. Cela ne te protégera ni de leur épée, ni de leur flèche. J'espère bien ne pas en arriver là. Mais, un risque que je dois prendre. Souhaite-moi bonne chance, mon ami. Ça, mon ami, tu en auras besoin. C'est clair. Ça, il va aller pile là où je suis, je parie. Ce salaud. Allez hop. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on décale. Et quoi, on peut déjà retourner voir le chef? Mais non. Bon, attendez, on va faire ça au moins. Juste ce point d'observation. Putain, il en fallait pas grand chose pour le trouver, le frérot là. Bon, écoutez, tant mieux, hein. En soi, ça m'empêche de faire des trucs répétitifs tout le temps la même chose, mais. On a pas fait grand chose là quand même. Il est devenu fou. On
On a réussi notre jump. Hop. Yeah. Et je meurs direct aussi. Ah non, je peux juste pas traverser, ok. Bon. Pourquoi pas. Je suis pas sûr qu'à l'époque il y avait des murs invisibles comme ça, mais. Mais tranquille. Oh. Eh, mais en fait, le jeu, c'est une. Ça doit être. Une teigne à finir en fait. Fiche le camp. Ah ouais, même. D'accord, même comme ça, j'ai pas le droit de passer. Mais attendez, vous avez vu le nombre de trucs qu'il faut récupérer dans le jeu? C'est horrible. Pour finir le jeu à 100%, mon gars. Oh. Je te raconte pas la haine que tu dois avoir. Ça doit être extrêmement chiant quand même, bon. Ah ouais, je peux escalader ça, stylé. Rien ne me surprend plus maintenant. Il est stylé le temple quand même. Ah ouais putain. Il est vraiment stylé. Et ça doit être un temple connu à mon avis, hein. C'est juste que je connais pas le nom, hein, comme un espèce de cérébré. Ah d'accord, hein, c'est ici que je peux faire la synchronisation, ok. Ah ouais. Bon. C'est spécial, mais pourquoi pas. Je connais pas le nom de ce temple. C'est pas écrit. D'accord, bon bah après peut-être que c'est une création, hein. C'est fort possible aussi. Hein. Ah ouais, il y a quand même... Défi informateur drapeau, ça c'est quoi ça? Défi informateur protection. Oh, chiant. On va aller faire ça plutôt. Bah attends, là je vais crever là. Bah il a perdu la tête. Yep. Dieu t'a abandonné. Il a perdu la tête ou quoi? Arrêtez, vous en prie. Vous me faites mal. Tu n'es plus rien. Dieu t'a abandonné. Pourquoi vous comportez-vous de la... Garde-toi. Ah bah d'accord, mais en fait les mecs ils m'avaient même pas vu quoi. Les mecs ne me voyaient même pas quoi. Est-ce que c'était le dernier? Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant le temps. Ouais. Je vous dois une fière chandelle. Ouais. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Il l'a déjà oublié. Ah merde, bon bah il y a déjà un gars là. On va devoir le faire. Hein. Altaïr, je crois que je me suis fait des ennemis. J'étais chargé de surveiller le marchand d'esclaves. Malheureusement, j'ai commis une erreur. Il m'a repéré. Et depuis, ces hommes sont à mes trousses. Je dois quitter la ville, mais je n'y arriverai pas tout seul. Aide-moi, et je te dirai ce que je sais. D'accord. Bon bah on va le suivre. C'est pour le plaisir ça quand même. Infidèle ! Ah bâtard. Débarrasse-moi d'eux, Altaïr ! Ah bâtard ! Moi aussi je sais mettre des gros coups, sale fils de chien. Mais what ? Mais trop chiant à tuer ! Voilà, bâtard. T'es un relou les frères là. Bon bah écoute, on va suivre le monsieur et puis on va attendre. Oh oui, je suis beau. Attends, je vais passer un peu devant là. Maudit infidèle. Ah mon dieu, sauvez-moi. Je suis touché. Ne restez pas là. Il ne peut pas t'échapper. Voilà, cassez les couilles ce bâtard. Voilà.
Attends, je reviens, BG. Je t'ai perdu, mon frère. J'arrive, je suis là. Oh bâtard. Je dois recommencer la mission. Bah baisse ta mère, hein. C'est bon. Va crever, mon gars, va crever. Attends, je peux direct aller retourner au bureau là et aller tuer le frérot? Mais direct, je fais ça, hein. Bâtard! Je vous attends quand vous voulez, les nazes. La meuf là, elle me bloque un peu, frérot. Qu'est-ce qui m'en a fait? Ah. Ok. Bah écoute, je suis content. Hein. Je t'ai sauvé pour aucune raison. Alors. Excusez-moi, voilà, j'étais en train de boire un petit coup quand même. Parce qu'il fait soif là au bout d'un moment. Bah attends, bah, ça me paraît chaud quand même. Genre, il me propose d'autres missions, mais je suis pas obligé de les faire. En gros, les missions, c'est juste tu veux vraiment rentabiliser le jeu à donf, quoi. Mais bon, écoutez les gars, c'est pas que j'ai pas envie de rentabiliser le jeu, mais bon, c'est pour faire 28 000 fois les mêmes missions. Alors qu'on n'est pas obligé, moi je suis content, je les fais pas. Hein. Malik, tu vas encore me faire perdre mon temps? J'ai trouvé Talal, je suis prêt à accomplir ma mission. Cela, c'est à moi de le décider. Très bien, voilà ce que je sais. Il fait le commerce des vies humaines en levant des habitants de Jérusalem pour les vendre comme esclaves. Il opère à partir d'une réserve à l'intérieur de la Barbacane, au nord. Au moment où nous parlons, une caravane se prépare à partir. Je le frapperai quand il inspectera son chargement. Si je peux éviter ces hommes, je n'aurai aucun mal à l'atteindre. Aucun mal? Écoute-toi, quelle arrogance! Nous en avons terminé? Es-tu satisfait de ce que j'ai appris? Non, mais je m'en contenterai. Merci, Michael. Ouais, j'allais dire, tu vas la prendre ta... Repose-toi et prépare-toi à ta guise. Comme tu le fais habituellement avant un travail. Mais fais-le discrètement. Ah mais tu me prends pour qui, sale bâtard là. Bah, il me prend pour comme un troufion, quoi, comme une merde. Hein. Putain, mais du coup, ouais, non, on est vraiment pas obligé de faire les autres quêtes, quoi. C'est incroyable. Bon bah écoutez, tant mieux. Putain, ça me perturbe. Les bruits des... Vous voyez, des petits trucs qu'il a derrière là. Ça fait les mêmes bruits que... Dans... Putain. Vous entendez les bruits là? Je sais pas, c'est quoi qui fait ces bruits là en fait, c'est peut-être mon épée qui bouge. Et ça doit être ça. Bref, ça me perturbe parce que ça fait le même bruit que dans Zelda Breath of the Wild, les trucs Kurugu là. Quoi? Ah bâtard. Ah ouais, t'es mort bâtard. Du coup voilà, ça me perturbe trop. J'ai l'impression qu'on est pas du tout dans le même jeu là. Hop. Oh bah, non, non, évite de tomber s'il te plaît là. Allez! Je vais te trancher la tête! Mais non, oh bâtard. Vas-y, je t'attends. Dommage.
J'étais presque. T'as presque failli me aise, mais tu m'as pas aise du tout. Je t'ai aise. Ouais, ça c'est fait ça. Voilà, voilà, voilà. Je suis pas mort. Je vous l'ai dit, les gars, c'est un putain de. C'est devenu une peur. Hein. Allez, tu meurs. Ça se trouve, on est littéralement à chaque fois en train de sauver des voleurs, des tueurs. C'est chaud, hein. Ça se trouve, on est vraiment des méchants. Mais bon. S'en fout. Je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. Allez, hop. Je peux pas escalader là ou quoi? Ah si, si. Allez, s'il te plaît. On se dépêche, voilà, 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 voilà. Et voilà. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Et toi tu meurs. Connard. Putain mais c'est incroyable ce couteau les gars. Je te ferai trancher la main. Oh. Wow. Calmons la violence. Il y a quand même beaucoup de voleurs hein, dans cette ville. Hein. Bon après... Vu l'époque, c'est compréhensible. Les pauvres ne doivent pas beaucoup bouffer. Aïe aïe aïe. Bon, voilà, ça c'est fait. On va aider le citoyen en bas là. Parce que bon, attends, ouais. Bah, minimum qu'on fasse ce style de bosser quoi. Tu n'es qu'un sale voleur. Garde-toi de moi. Tu vas mourir. Allez, je t'attends. Je t'attends. Allez, décale, je m'en bats les couilles de vous là. Moi, tout ce que je veux, c'est aller faire mon assassinat. Zip. Hop. Non, 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 attends pas. Bâtard. Arrière. Voilà. Tu décèdes. Bah non, hein, c'est bon les voleurs, moi je m'en fous au bout d'un moment. Moi j'ai fait... Le chétan ? Ah ! Ah bâtard ! Oh, je me suis fait piéger là. Oh what? Alors, marchand d'esclaves, ne m'appelle pas comme ça. Je ne cherche qu'à les aider. Tout comme on m'a aidé. Tu penses leur rendre service en les emprisonnant? Ils ne sont pas prisonniers. Je garantis leur sécurité. Et je Aidez-moi. Prépare leur avenir. Sauvez-moi. Quel avenir? Une vie de servitude? Tu ne sais rien. Quelle folie de t'avoir fait venir ici. De penser que tu comprendrais ce que tu y trouverais. Je ne le comprends que trop bien. Montre-toi.
Oh, il a des couilles en plus. Ah, tu aimerais voir celui qui t'a fait venir jusqu'ici. Tu déraisonnes. Personne ne m'a poussé à venir. Vraiment? Qui t'a ouvert la porte? Qui t'a dégagé la voie? As-tu croisé le fer avec un seul de mes hommes? Non. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est grâce à moi. Alors viens dans la lumière, et je t'accorderai une dernière faveur. Ils se foutent de ma gueule, je vais crever, ils vont tous me tosser dessus. Hein? Putain, mais question, est-ce que je me suis fait choper parce que j'ai pas eu assez d'informations? Ou est-ce que c'était bah, de base? Voilà, je suis devant toi. Que puis-je faire de plus? Mourir. Eh bien, descends et réglons cette affaire entre hommes d'honneur. Pourquoi toujours recourir à la violence? Bah, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien que je puisse faire car tu ne sembles pas vouloir coopérer. Je ne peux pas te laisser ruiner tout mon travail. Une seule solution, tu dois mourir. Allez, je vous attends, les nazes. Voilà ce qu'il en coûte de m'offenser. Ah, bâtard! Je n'ai pas de temps à perdre. Compétence. Oh là là là, casse ta mère toi. Je suis désolé aussi là les gars pour le son, vous devez entendre des motos et tout là. Faut pas faire grand chose à propos de ça. Hein. Bah alors le noobar. Ouais. Ça t'apprendra. Ouais, bon, on va s'occuper de l'autre nulos. Ah merde. Ah bah oui. Empêchez-les d'avancer. Ah, tu flippes ta mère, hein. Tu flippes ta mère. Putain, genre il est pas mort. Il est pas mort cet enculé là. Ah, je vais te fumer mon gars là. Je m'approche là en plus. Et voilà, je t'ai fumé, espèce de grosse merde. Tu ne peux pas fuir. Partage tes secrets avec moi. J'ai joué mon rôle. Fraternité n'a pas besoin de me tuer pour continuer d'exister. Quelle fraternité? Al-Mualim n'est pas le seul à avoir des vues sur la Terre Sainte. Je ne t'en apprendrai pas plus. Nous en avons fini. Tu peux demander pardon à ton Dieu. Il a existé. Il nous a abandonnés. Et les hommes et les femmes qu'il a délaissés, je les ai pris sous mon aile. Que veux-tu dire? Mendiants, catins, drogués, lépreux. Ce ne sont que des esclaves pour toi, incapables d'accomplir même des tâches mineures. Non. Si je les ai enlevés, c'est pour les sauver. Et pourtant, tu nous tuerais tous. Pour la simple raison qu'on te l'a demandé. Non. Tu profites ouais. De la guerre, de toutes ces vies brisées. Voilà ce que tu penses dans ta grande ignorance. Tu fermes ton esprit. C'est ce que tes semblables font de mieux. Vois-tu l'ironie de la situation? Non, il semble que non. Cela viendra. Bon, excuse-moi, hein, mais de ce que j'ai entendu, ils n'avaient pas l'air très heureux hein, de comment tu les traitais. Alors bon, monsieur qui essaie de me faire la morale, je pense que tu peux bien te la garder, ta morale, espèce de chien. Là. Après... C'est vrai que je ne fais peut-être pas forcément, c'est vrai que bon, on m'a juste demandé de te tuer, moi je t'ai tué, mais bon.
Comme j'ai dit, vu comment tu les traitais, je pense pas que il peut me faire la morale, ce bâtard. Ah non, il va me balancer de la caillasse. Oh les bâtards! Allez, mais venez, mais je vous prends tous! Oh bâtard, je vous prends peut-être pas tous. Mais je vous prends tous, j'en ai rien à branler, moi. Allez. Voilà. Allez. Ah bâtard. Ouais, moi aussi je sais mettre des gros coups. Et voilà. J'ai réglé le problème. Oh non, laissez-moi. Elle me jetait pas de la caillasse maintenant. Oh bâtard. Vite, vite, synchronisation. C'est bon, on a eu le temps, moi. On a eu le temps de faire la synchro. Y'a plus de blé. Moi je m'en bats les couilles après si on me tire des flèches. Bâtard. Et hop, on décale vite, vite. Hop, on prend ça. Hop. You. Bah non, je suis tombé. Mais pourquoi mais, d'accord, je peux les tuer. Ah non. On va attendre ici. Bon, c'est bon. Oh non. Ah putain, j'ai plus de couteau en plus. Vite avant qu'il me voie. Ah bâtard. On va casser les couilles. Eh merde. Eh merde. Oh merde, ils sont juste derrière moi. Oh sa mère. Oh sa mère. Ils sont beaucoup à chercher. Allez, courez, bande de nazes. Non. Vite, 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 avant qu'il te chope. Putain, c'était juste. Oh, il y a un templier là. J'ai un peu la flemme parce que je vais sûrement faire repérer avant. Hop. Yo. Et voilà. Altaïr, heureux de te revoir parmi nous. Ouais. Comment s'est déroulée ta mission? Bah, il est mort. Hein. Elle est terminée. Talal est mort. Oh, je sais, je sais. En fait, toute la cité le sait. As-tu oublié ce que le mot discrétion veut dire? Un bon assassin doit faire en sorte que ses actes soient connus de tous. Non, un bon assassin doit garder le contrôle de ce qui l'entoure. Nous pouvons nous quereller sur ces détails, Malik. Le fait est que j'ai accompli la tâche qui m'a été confiée par Al-Mualim. Bien. Retourne voir le vieil homme et voyons à qui il donnera raison. Nous sommes au service de la même cause, Malik. Avance rapide. Mais mon épée, mon gars, elle est... elle est possédée. Mais putain, mais je pose vraiment la question, c'est est-ce que j'ai pas... Oh non. Jure la vie de ta mère, là, je dois y retourner à pied, là. Ah non, ça va. Il se passe quoi, là? On va pas revoir Altaïr, là? On nous fait sortir? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la signature thermique. Je crois que l'animus est en surchauffe. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce sera long. C'est trop tôt pour le dire. Ces retards sont inacceptables, mademoiselle Stillman. Je compte sur vous pour me tenir au courant.
Ça risque de prendre un moment, Desmond. Tu devrais t'allonger et te reposer un peu. Je fais que ça, me reposer, wesh. Vas-y, on va aller avec lui. Ah, bâtard. Ça m'attend même pas. T'en as pas marre qu'il te crie dessus? Après tout, c'est sa machine. Il l'a seulement conçue, pas construite. Qui l'a construite? Toi? Non. Abstergo a une équipe d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs? Mais j'ai tout supervisé. C'est sûrement pour ça qu'il s'en prend tout le temps à moi. Un vrai pitbull. Il est sous pression. Comme nous tous ici. J'arrive pas à croire que tu prennes sa défense. Warren m'a sauvé la vie. Alors s'il a besoin de se défouler, ça m'est égal. Ouais. Gros boulard. Putain, je suis que ça me reposer, n'empêche. Je veux dire, au bout d'un moment. Tiens, tiens. Quelqu'un est venu ici? Bah, heureusement, frère, il faudrait bien qu'on puisse se laver au bout d'un moment. On dirait un code d'accès. Let's go, on va pouvoir prendre une douche. Non, on va pas prendre de douche. Super. L'odeur du type, je te dis pas, mon gars. Un code d'accès, du coup, on a récupéré un code d'accès. Ok. Mais ça nous sert à rien, apparemment. Bon, on va pioncer, hein. On a que ça à faire, de toute façon. Le matin suivant. Debout, le soleil brille. Nous avons du travail qui nous attend. Vous avez l'air bien luné ce matin. Mademoiselle Stillman a apporté quelques modifications à l'Animus. Dorénavant, vous pourrez rester à l'intérieur plus longtemps. Et reprendre super. Votre petite chasse au trésor. Tout ceci est très sérieux, Monsieur Miles. Je crois que vous n'appréciez pas à leur juste valeur les efforts déployés par Abstergo. Peut-être parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Surtout qu'on m'a kidnappé. Nous le monde, oui. Chaque jour, oh, de oui. Mille manières différentes. Oh. Saviez-vous que depuis plus de 1000 ans, c'est à Abstergo et à ses prédécesseurs que l'on doit les plus grandes découvertes de la médecine, de la mécanique et de la philosophie? Vous y allez fort, non? Vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu? Ah, le moins du monde. Oh, bien entendu, nous évitons de le crier sur les toits. Cela éveillerait trop de suspicions. Ceux qui profitent de ces avancées sont triés sur le volet. Comment ça? C'est pourtant simple. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous valez mieux que le commun des mortels? C'est pas parce que vous avez inventé tous ces trucs qu'il faut prendre la grosse tête. Pour être honnête, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés. Trouvés? Ils nous ont été confiés, Monsieur Miles, par ceux qui nous ont précédés. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Le temps presse. Ouais. Avec ton café, frérot, c'est une cigarette, ton café, c'est pas... Je peux pas bouger, c'est-à-dire que je dois faire quelque chose ici ou quoi? Ok, bon bah apparemment, on s'en bat les couilles. Bonjour Desmond. Ouais, salut. Bonjour. Bon, moi elle a dit bonjour. Il y a enfin quelqu'un qui est poli dans ce truc de merde. Bon bah écoutez, après. Allongez-vous, allez. Oh, baisse d'un ton. Je t'enculé, toi. Bon bah, on va faire de toute façon. On va écouter comme un bon toutou. Hein, on veut des caresses ici. Continue. La séquence 4. Et il y a combien de séquences? Desmond, on se met au travail? Oh, c'est bon, baisse ta mère. 1, 2. Ok, il nous reste... Bah putain, on a déjà bientôt fini le jeu, sa mère. Les érudits que vous avez sauvés vous aideront à traverser les zones sous surveillance. Entre, Altaïr. Tu es en bonne voie. 3 de tes 9 cibles sont déjà mortes. Je t'en félicite. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Cela ne fait que commencer. Je suis à vos ordres, maître.
Enhardi par la prise d'Acre, le roi Richard se prépare à faire route au sud vers Jérusalem. Salah ad-Din ne peut l'ignorer. Il va, selon toute évidence, rassembler ses troupes devant la citadelle en ruine d'Arsouf. Voulez-vous que je les tue tous les deux? Pour mettre un terme à cette guerre avant qu'elle n'éclate? Non. Leurs forces se disperseraient, et notre terre serait à la merci de 10 000 guerriers sans chef et avides de sang. Il s'écoulera plusieurs jours avant leur affrontement. Tant qu'ils se déplacent, ils ne se battent pas. D'autres choses qui nous préoccupent dans l'immédiat. Ceux qui gouvernent en leur absence. Nommez-les, et je verserai leur sang. Très bien. Aboul Nukud, l'homme le plus riche de Damas. Mage d'Adin, le régent de Jérusalem. Et Guillaume de Montferrat, seigneur d'Acre. Quels sont leurs crimes? L'avidité, l'arrogance. Ils ont massacré des innocents. Rends-toi dans leur cité et mêle-toi à la foule. Ainsi, tu apprendras tous leurs secrets. Ces hommes sont des obstacles à la paix, n'en doute point. Alors ils vont mourir. Nous te restituons un nouvel objet. Prends-le. Et fais-en bon usage. Reviens me voir après chaque mission. Thank you, mon ref. Nous devons mieux comprendre leurs intentions. Let's go! Dernière chose. Sois prudent. Tes agissements ont dû éveiller l'attention des gardes. Mm-hmm. Ils seront plus méfiants que par le passé, à n'en pas douter. Ça pète les couilles, ça. Bon. Je sais pas ce qu'on a gagné. Oubliette. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai perdu une sœur, ouais. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Oui, comme d'habitude. Hein. Vu que c'est moi qui fais tout dans ce putain de pays. D'accord, c'est ça. Pas touche. Pas touche, la mouche. Ok, bon bah écoutez, en tout cas les gars, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Et moi, mesdames et messieurs, je vous dis la ciao, bye bye, voilà, allez, bisous.